De la croisette aux salles obscures. Le mercredi 18 août, le film Bac Nord va enfin sortir au cinéma après avoir été présenté hors sélection lors du dernier Festival de Cannes. Réalisé par Cédric Jiménez, le long métrage suit le quotidien de trois policiers de cette brigade des quartiers nord de Marseille. Accusés de trafic, rackets et malversations diverses. Une histoire vraie datant de 2012 qui avait mené 18 membres de la brigade anticriminalité à être déférés en correctionnel pour corruption. Dans le thriller, les flics Greg, Yass et Antoine sont interprétés par Gilles Lellouche, Karim Leclou et François Civil. Pour paraître plus vrai que nature, les trois comédiens ont dû suivre une préparation exceptionnelle. Comme le révèle Paris Match, le trio a ainsi fait la tournée des lieux sensibles et, au milieu d'un champ, sous un soleil de plomb, manié les armes les plus sophistiquées. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi et surtout dû changer de look. Gilles Lellouche a ainsi eu le droit au crâne rasé et à des diamants aux oreilles. Quand j'ai rencontré le vrai policier, tatoué et piercé de partout, je me suis dit que j'avais joué petit bras, a-t-il révélé. Mais, s'il a le look le plus extravagant de tous, il est aussi le plus discret, le plus en souffrance. Il a mis son existence et tous ses idéaux au service d'une profession qui a fini par l'abandonner. Au point qu'il s'est retrouvé en cellule, là où il envoyait les autres. Ça peut rendre dingue. De son côté, François Civil a, lui aussi, dû passer par la case transformation. Le comédien de 31 ans a troqué ses cheveux bruns contre une chevelure blonde plus longue. J'ai même changé de parfum. Bien avant le tournage, j'ai passé un mois et demi à Marseille pour assimiler le léger accent que j'ai dans le film. Antoine est celui qui vient des quartiers nord, qui a le plus la rage. Il a ce côté saut-dessus qu'on lui demande d'avoir, a confié le jeune homme. Ce dernier a aussi donné de sa personne en allant encore plus loin. J'ai fait de la muscu, de l'escalade, j'ai mis les bouchées triples, a-t-il expliqué. Je voulais le transformer en dog de combat, à l'image de son propre chien. Et ça fonctionne. À l'écran, François Civil n'est plus le même. À fond dans son rôle, l'acteur s'annonce donc bluffant. Tout comme ses deux autres acolytes. Un film dont ils se souviendront très longtemps.